Salutations mes petits amis YouTube, on se retrouve dans Valtirian Arc Hero School Story pour ce nouvel épisode. Et déjà, pendant mes tests entre les deux épisodes, j'ai pu me rendre compte... Mais j'ai craqué, j'ai pris Cassandra et je l'ai passée en forme de dragon. Donc en troisième forme, elle a le rang le plus élevé, ok. Mais surtout, ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, il y a bien un rang 25 quand on fait la troisième classe. Donc du coup, tous les rangs 20 que je suis en train de monter, bah, en fait, on s'en fout. Très clairement, il y aura des niveaux 25 à monter derrière. Et ça change ma vision des choses, honnêtement. C'est-à-dire que je vais monter, oui, pour les diplômés, etc. Mais je vais essayer vraiment de me focus sur une équipe en particulier. Alors à savoir que il reste une semaine hein, avant de pouvoir faire des choses. L'équipe 1, comme vous voyez, est en quête. L'équipe 2, bah, je vais m'en servir. Et l'équipe 3, elle n'est pas vraiment capable de faire quoi que ce soit. Hop. Puis bon, ils sont 20, mais justement, il y a 25 derrière. Ou alors, je vais me servir de l'équipe 3. Enfin, on va refaire une équipe ensemble. On va refaire une équipe ensemble. Hop, donc, gérer l'équipe. L'équipe 1, elle est en train de se blinder. Ok. L'équipe 2... avec Anteros, Zona, Christer Joe et Nathalie Vanguard 2. Ils sont en train aussi, pourquoi pas. Et donc je vais jouer l'équipe 3. Donc on va essayer d'envoyer en quête l'équipe 2. Est-ce qu'on peut faire mieux que 9 sur 20 peut-être? Ouais, 9 sur 20 ou 9 sur 20, j'ai envie de... D'accord. Ouais, Zoé Fatum au pire. Ouais, mais j'en ai besoin dans l'autre équipe de Zoé Fatum. Donc il reste Taylor Bug. Au pire, ça fait une équipe un peu plus... comment dire? Un peu plus sympathique. Ouais, 70 de Hunt, ça c'est très bien. Ouais, parce qu'ils sont pratiquement niveau max, tous, à part Zona, mais bon, elle est niveau 17 en vrai, lui niveau 30. Donc ça devrait peut-être le faire, l'équipe 2. On va voir. On verra ça dans un prochain épisode. On va les envoyer. Apocalypse Miaou, théoriquement. L'équipe 2 devrait faire largement l'affaire. Mais bon. On va bien voir. Il y a une semaine avant de faire les... comment ça s'appelle? De faire les diplômes. Donc on va partir... voilà. Hop. En équipe 3. Faire de l'entraînement. Après tout, ils sont niveau 1. Enfin, c'est que des petits levels. Donc ça doit pouvoir le faire. Et je vais tester avec vous donc cette nouvelle classe que je ne connais pas. Qui est le chevalier dragon. J'aurais préféré un paladin, j'avoue. J'aimerais bien un médecin aussi. Mais donc le chevalier dragon c'est un tank encore plus tanky quoi. Si j'ai bien compris. Après elle tape toujours aussi fort. Ouais. C'est un tank qui fait encore plus de lumière. Bah écoutez, pourquoi pas hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas si je vais prendre de l'XP du coup, parce que oui, d'accord, elle est niveau 1, mais... J'ai pas l'impression que ça monte beaucoup. Enfin, les autres prennent de l'XP, ça oui. Mais... Ouais, en dragon, même s'il y a que 5 levels d'écart, elle tabasse quand même. Elle tape à 500. C'est quand même pas dégueu. Bon, mais j'aurais pas eu de level. On a eu une carabine, pourquoi pas. On a quand même chopé 400 d'XP. C'est toujours 7 prix. C'est toujours 7 prix. Bon là, l'équipe 1 va revenir. Donc on va peut-être pouvoir refaire une autre équipe complètement barrée. Hop, l'heure de la cérémonie de remise de diplôme est arrivée, monsieur le principal. Je crois que j'en ai diplômé beaucoup ce semestre en plus. Hein. Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes. Et félicitations pour avoir diplômé ces étudiants. Et sans plus tarder que la cérémonie commence. Ta-ta-ta. Ça fait 4 années déjà. 5 étudiants. Alors nous avons droit à Mercredi, qui était un éclaireur, niveau 10. C'est quand même sympa, hein, comme classe. Hop, nous avons droit à un apprenti niveau 15. Un autre apprenti niveau 12 cette fois. Ça c'était l'apprenti aussi, je crois. Ouais, niveau 14, malheureusement. Et ça, c'est niveau 13. Ouais, beaucoup d'apprentis quand même. Hein. Et un éclaireur.
Ok. Alors, mine de rien, on a fait des thunes. Et on va voir pour le prochain semestre si on peut pas faire des choses. Alors, est-ce qu'on a changé de rang de réputation? Non. Peut-être la prochaine fois. Deux étudiants. Ils sont toujours 1 sur 20. Donc ça m'intéresse pas, hein, clairement. Moi je veux du 1 sur 25 maintenant. Que j'ai découvert qu'il y avait ça. À moins qu'ils avaient des stats vraiment formidables, hein, mais c'est pas le cas. La vendeuse, qu'est-ce qu'elle nous propose? Alors on va bien sûr acheter tous les composants parce que c'est gratuit, je suis quand même riche quoi. Ok, le reste c'est de la merde. Hein. Ouais. Hop, on s'en fout. Ok, je resterai dans les environs de l'académie pendant un moment, à plus tard, au revoir. Je m'en fous de ta vie. Du coup, par contre, normalement, toutes les équipes sont à la maison là, c'est ça? Non, l'équipement est toujours en quête, ok. Bon, bah non, en fait, ils sont tous encore en quête à part l'équipe 3. Bah écoutez, on va monter l'équipe 3. Dans l'absolu, comme j'ai dit, on va essayer de continuer l'histoire. Ça risque d'être dangereux là pour le coup. Qu'est-ce qui se passe dans le dortoir? Ok, je pourrais augmenter. Ça fait quoi? Ouah, j'ai même pas envie de les augmenter, je vous dirais. Pour faire à peine plus de dégâts. Ouah, si, avec 2%. Ouais, non, mais même 2%, c'est pas rentable en vrai. C'est pas rentable du tout en vrai, j'aurais pas dû le faire. Allez, voyons voir les missions qu'il y a. Niveau 4, on va éviter quand même. Niveau 3, ça risque d'être compliqué aussi. Y a plus que ça comme mission, t'es sérieux le jeu? Barbecue c'est niveau 1, ouais bon on va aller faire barbecue niveau 1 du coup. Ouais, niveau 1, niveau 3, niveau 10, niveau 5. On va voir, théoriquement. Après c'est toujours pareil, comme c'est des classes élaborées, elles ont des bonus, mais bon. C'est censé être des petits levels quand même. Hein. Après je ne sais pas, je ne sais pas, je vous avoue que... Je ne sais plus quoi en penser véritablement de ces levels et est-ce que c'est vraiment important, la suroptimisation, etc. Je ne sais pas. Enfin, de toute façon, notre village organise une fête de la viande. Pourriez-vous m'aider à chasser les lapins et les sangliers pour le barbecue? Oui, effectivement, ça c'est un truc bas level, ça. Hop. On va voir si on trouve des choses. Tac. Ah oh. Gaffe à ce qu'on fait quand même, monsieur le facochère. Alors encore 3 lapins, 3 oiseaux. Ça c'est de la quête vite fait ça normalement. Tac. Après j'aimerais bien avoir tous les profs, ils sont au moins l'arquebusier, j'aimerais bien tester. Bien qu'au final je me demande si c'est pas plus sympa d'avoir 2 cacs en fait. Deux cacs, enfin le garder la classe niveau 2 pour le truc en dextérité là, prendre la classe niveau 3 pour le chevalier dragon, un médecin pour soigner quand même et un mage. Je pense que c'est ça que je vais viser. Je sais même pas si je vais honnêtement si je vais attendre de choper les 25 pour me faire ce team là. Bon, bien sûr, il faudrait que j'ai ce qu'il faut, mais bon, après c'est encore un autre problème. Enfin bref, pour le moment on est en train de chasser ces animaux là. Yep, là. Un oiseau et deux sangliers. Merde, si je rate le pont. Un oiseau et deux sangliers. Un oiseau, il est là. Et deux sangliers, ils sont là. Ouais, les dragons, c'est quand même bien sympa. Je pense que nous avons assez de viande pour tout le village. Cool. Allez, on se barre. C'est pas que j'ai l'impression que ça file pas d'XP, votre quête, mais... Enfin, vos mobs, plutôt. D'accord, faut que je redescende. Ouais, les tonneaux sont bien remplis, c'est ça qui est étonnant. Enfin, quand ils sont remplis. Mais... Vous voyez, 547 de gold, c'est pas mal quand même. 703 de gold, il est mieux.
Mais ouais, par contre, l'XP, ouais, en même temps, l'XP sur elle, c'est une troisième classe, donc j'ai l'impression que c'est normal que ce soit super lent. D'accord, j'ai fait danse du dragon sans le faire exprès. Ok, pourquoi pas. Et on est parti. J'ai récupéré des choses, encore des choses à décraft ou à vendre. Mais bon, on va essayer d'attendre pour refaire le super groupe. Ok, on a tendance à augmenter. Nickel. Et encore le super groupe, du coup il y aurait deux tanks. Je sais pas vraiment comment ça va faire. Alors, il n'y a pas. Alors là, nouveaux étudiants, il n'y en a pas. Toi, t'as refait ton stock ou pas? Non, ok, donc tu m'intéresses pas. Donc on va directement partir en mission. Hop. Niveau 3, non, on va attendre la grosse team. Vous savez quoi, on va tester le niveau 3. Je le sens pas du tout, hein, je dois vous avouer. Avec l'équipe 3, je le sens pas, mais on va essayer. On va essayer parce que je me dis la classe 3, elle fait quand même super mal. J'ai une classe 2, une classe 3 et deux apprentis. C'est pas le top, mais au pire, je vais me prendre une raclée, c'est pas bien grave. Ça aura fait passer du temps quand même. Ok, il faut aller tuer le roi des trolls. Je pense que 8 suffiront. Collecter 8 matériaux, pardon. Trouver l'entrée, collecter 8 matériaux. On avait parlé d'un troll. Ok, il n'y a pas de mob pour le moment. Ça me va. Ouais, ça me va. C'est pas comme ça qu'on va XP, mais... Ça me va dans le sens où au moins je perds personne. En même temps, s'il n'y a pas de combat, j'ai pas d'XP à faire. S'il n'y a pas d'XP à faire, je m'en fous qu'il soit vivant ou mort. Mais bon. Ok, 5 collectables. Ah, voilà. Ouais, les Yeti. Ah, ils sont plus costauds que d'habitude quand même. Après, je suis tout seul à taper dessus là. Ma team, où êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez hein? Ils sont bloqués dans un escalier, c'est ça? Oh, sérieux. Vous êtes pas doués les mecs hein. Enfin, et les filles. Enfin, vous m'avez compris. L'IA elle est pas douée. Allez, collecter 4 matériaux encore. Ah, oh, c'est stylé quand même cette attaque. Ok. Oh, bah ça avance bien, hein, mine de rien. Je pensais pas que ça passerait aussi bien une quête niveau 3. Peut-être une quête facile niveau 3 aussi, mais. Je m'attendais à pire. Hop. Ok, on récupère des compos. Ouais, j'ai hâte que mon autre équipe rentre. Je pense que je vais faire une grosse team de points. L'autre, elle sera niveau 15. Je pourrais même m'amuser à la refaire aussi. Je sais pas si je me fais un médecin. Enfin, ouais, j'aimerais bien me faire un médecin quand même. Dans ma team principale. Avant de continuer à enchaîner les quêtes. Mais le problème, c'est que. Quoique, ça doit être faisable. Hein. Enfin, ça doit être faisable. Je dois bien. Je sais plus à quel niveau il est mon médecin. Mais le problème, c'est que j'ai viré la mage qui était niveau 15. Si j'avais su, j'aurais pas viré. Comme ça, je l'aurais eu direct. Hein. Allez, encore un matériel à trouver, ou un matériau. Car oui, un matériau, ça se dit, suivant de quoi on parle. Mais bon, ceci est un autre problème. C'est pas ici que je le trouverai. C'est comme des matériels, ça se dit aussi. On dirait que c'est pas français, hein, ça sonne bizarre, et pourtant... Ok, hop. Trouver l'entrée de quoi? Moi, je veux bien trouver l'entrée, mais de quoi?
J'aurais peut-être dû lire la quête. Ouf, on va naviguer, on va tuer des gens et puis on finira bien par trouver. Hein. Wouah, troll gardien. Aïe aïe aïe, c'est lui le problème du coup. Ouais, ça va. Derrière, il y a l'assassin qui l'a pris en grippe. Ok, fais un rapport à Will. Ok, bon, bah finalement, il n'y a pas eu trop de dégâts. Hein. Pas mal de level up. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Allez, ouvre. Non, tu veux pas. Voilà, c'est héros, pas vraiment héroïque. On va retourner par là. On va faire le chemin inverse par là. Enfin, le chemin retour par là pour buter les mobs qu'il y a. Histoire, si possible, d'encore passer un petit level. Tac. Il y a plein de coffres. Oui, des coffres, des coffres. Toujours plus de coffres. Ok. On peut descendre par là, a priori. C'est là d'où je viens, je crois, mais bon, c'est pas grave. Plein de coffres. Et là, est-ce que je peux passer là? Ouais, nickel. Il était par là, Billy. Enfin, Will. C'est pareil. Merci, je peux me promener en paix maintenant. Bon, bah, nickel. On a pris du level. On n'est pas mort. Et c'est quand même du niveau 3 là qu'on vient de faire. Hein. Avec notre pire groupe en plus. Hein. Donc bon. Ce qui prouve que même le pire groupe, il commence à envoyer du lourd quand même. Ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Apocalypse, mais sérieux, vous avez échoué la quête? Trouver mon ami. Ça c'était la quête, cool. Donc Delphine est level max, Alex est level max. Ok. Garde troll, c'est la quête que je viens de faire. Ok. C'est plutôt pas mal, hein. Quête royale numéro 4. Pour la période numéro 1, année 4. Nous, le conseil royal de Valtyria, avons besoin de diplômés avec des compétences d'ordre général. De nombreuses nouvelles opérations nécessitent de jeunes talents, que ce soit sur le plan militaire, magique ou secret. Nous espérons sincèrement que l'Académie KJ sera en mesure de fournir ce dont nous avons besoin. Ouais, en gros, ils veulent des recrues simples. Bon, on verra, hein. Si ça passe, ça passe, tant mieux. Alors, 8 de Dex, si c'est tel, 14 luck. Non, t'es de la merde, toi. Je ne te veux pas. Et l'autre, Ekora Minowa, 14 en physique, 7-7-14. Pas dégueu. Mais on va te refuser quand même. On va te refuser quand même. Alors, ils sont revenus de quête, les autres. Tout le monde est revenu, oui. On va gérer les équipes. Déjà, on va... on va virer tout le monde. 2 sur 15, ouais, non, t'es pas à la hauteur de ce que je veux faire. L'équipe 2, on va pas la changer, en fait. Elle est très bien comme ça. Et l'équipe 3, par contre, on va mettre Zoé et Cass... Enfin, au moins Zoé. Déjà, on va la mettre ici. Zoé. Hop là. Parce qu'elle est bien stuff et que voilà. Et je vais même mettre... Ouais, je vais chercher les coups. Je vais même mettre Cassandra ici. Le truc, c'est est-ce que je garde Delphine? Ouais, si, on va garder Delphine comme ça. Ou est-ce que je la up? Qu'est-ce que j'entends par la up? C'est lui changer sa classe. Hein. Tac. Je peux te promouvoir, toi, normalement. Et je peux te promouvoir médecin. Oula, qui dégaine. Ah, sage, c'est sympa, par contre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas ce que ça fait. Médecin, théoriquement, ça heal, mais j'ai peur de gâcher le perso, en fait. Mage qui est dans l'art de la guérison. Bon, on va le prendre, hein, tant pis. On va bien voir. Transformation. Ouais, très moche le skin, mais bon, c'est pas grave. Tâche accomplie. Alors, les compétences. Soin de 25% des HP à l'allié en ayant le moins.
Probabilité de geler les ennemis. Ok, c'est cool. Et bien sûr, il n'avait pas le niveau 7, donc il n'avait pas météorite et entrave. Ok, j'ai envie de dire, c'est au pire, c'est pas grave. Et il aura pas Nova Sacrée ou Phoenix. Ah, ressusciter les alliés, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Mais c'est pas grave, on va s'en foutre. Le 17, par contre, ouais, ça va être chiant de pas avoir la régénération. Eh ben, c'est pas grave, on le changera après. Anteros, niveau 15, on va le laisser pour farmer les autres. Delphine, j'hésite. J'hésite, Delphine. J'aurais préféré la passer paladin, en fait. Mais bon, qu'on n'a pas le paladin pour le moment. Ça va être compliqué. Attendez. Hop, ça va pas cette histoire. Hop, voilà. Promouvoir, non. Kallax, c'est fait. Delphine, j'ai dit que j'ai envie d'avoir paladin. Mage, niveau 2, ouais. Toi, il te manque 2 levels. Toi, t'as pas grand-chose à changer. D'ailleurs, on va te changer ton surnom au passage. On va t'appeler Zona. En plus, elle a les cheveux violets. Ça colle encore plus que les autres. Tyler Bug, t'es pas au niveau 20 et les autres sont loin d'être au niveau pour vous accompagner. Ok. Donc, on va gérer les équipes. L'équipe numéro 1 va être quand même considérée avec Delphine, Alex en mage, Cassandra et Zona. Ils ont l'air petit level comme ça, mais en fait, ils sont haut level. Le deuxième groupe, ça va être Anteros, Zona. Donc, Zona, ça te va plus du tout en fait comme nom, mais c'est pas grave. Et en troisième, le troisième groupe, il lui manque un tank. Très clairement. Le troisième groupe, il est dans la merde en fait. Ouais, le troisième groupe, il partira pas. Je pense pas qu'il parte. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on peut faire partir le groupe 2 quelque part, je pense. Mission. Ouais, bah, ils étaient capables de rater le Miaou quand même. Tiens, on va balancer l'équipe numéro 3 de bras cassés là. On va la balancer là-bas parce que de toute façon elle sert à rien. On verra bien s'ils réussissent ou pas. À l'autre quête, Confiote. Plusieurs étudiants ont mangé la tarte à la confiture du repas et sont malades. Trouve un antidote avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, on va envoyer l'équipe 2. Voilà. Et l'équipe 1, on va essayer de faire des quêtes plus dangereuses. Les attaques de loups ont fait beaucoup de victimes. Un rapport fait état de l'un de nos fermiers et porté disparu. Ouais, enfin, c'est une quête, c'est un truc niveau 2, donc on va essayer un truc niveau 3, nous. Les Wakrois moisis souffrent de surpopulation de monstres. Voilà, on va faire ça avec l'équipe 1. Et on va voir ce que ça donne. J'aurais pu changer le stuff entre Cassandra et Delphine. Mais on va partir comme ça. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien donner le heal. Que je vais pas regretter parce qu'il a vraiment une très bonne base ce perso. Mais bon. Les bois cramoisis. À cause de l'augmentation des parions de monstres, la zone autour des bois cramoisis n'est plus sûre. Sécuriser la zone. Ok. Sécurisons la zone. Autrement dit, si je traduis, c'est tous leur péter la gueule. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne savez pas qu'il y a tant de monstres dans les parages? Ne vous inquiétez pas, nous sommes de l'académie, nous sommes venus sécuriser la zone. Ah ok, je ferme ma gueule. Hop. Bah, finalement, elle a un moins bon stuff. Mais elle frappe plus fort, la dragonne. C'est affolant même. Bah, du coup on perd pas de vie, tu veux pas me heal? Comment ça marche? Alex? Ça heal pas? C'est le Kutchi? Ou ça heal et j'ai pas fait gaffe? Ouais. Cassandra, c'est mon kiff. Mais c'est pas grave, on va prendre Delphine. C'est mon kiff aussi. Allez, c'est parti, on continue. Ouais, je touche moins de fric que dans une mission level 2 de tout à l'heure. Alors que dans une mission level 3. Des trucs bizarres quand même. Ah, 608, c'est déjà mieux.
body bloqués les gens. Ok, c'est quoi ce coup de lag monumental que j'ai d'un coup? Ok. Ok, on va se dépêcher de finir cette mission. J'ai mon disque dur qui est quasiment plein. Et du coup, je peux plus enregistrer. Et quand j'enregistre et que mon disque dur est pratiquement plein, bah, ça rame très très fort. Donc là, messieurs, dames, on va partir dans le côté bourrin de la force. Pour que ça aille très très vite. Hop là. Faire un rapport aux gardes. Voilà, bah d'ailleurs, c'est fini. Je sais absolument pas combien de temps fait la vidéo, mais je crois que c'est à peu près le temps qu'il fallait. Hop. Oh, 945 de dégâts, c'est mortel. En plus, on marche pas mal, c'est cool. Par contre, le heal, ouais. Je sais pas si c'est vraiment utile en fait. Je m'en rends pas compte. Deux tanks, par contre, c'est un peu inutile. Hein. C'est vraiment un peu inutile. Fais un rapport au garde, ouais, mais il est où le garde? Ouais, donc je pense que effectivement, soit il faut que je la passe en paladin, ouais, je la passe en, vu que je veux la passer en paladin plutôt, je vais la laisser dans un coin et que je garderai le, je vais garder de Cassandra pour tanker sur ce groupe. En attendant. Ok, il est où? Il est où? Il est là. Hop là, on va pouvoir se barrer. Et arrêter la vidéo avant que ça plante. Hop, il dit qu'il a repéré un monstre particulièrement dangereux quelque part dans le coin. J'aimerais que vous occupiez de ce monstre. Vous connaissez son emplacement, il est dans la zone au nord-est. Soyez prudent. Ok. Ah bah oui, on l'a déjà battu. Voilà. Ok. Je m'ai pas fait gaffe à ce que c'était ton monstre puissant, mais c'est pas grave. Hop, on va se dépêcher de rentrer avant que ça plante complètement. Parce que j'ai plus de place sur le disque dur. Mission accomplie. Ouais. Bon, faut que je change mon groupe. Ça va être un peu chiant, mais c'est pas grave. Au pire, je mettrai un random niveau 2. Pour qu'il augmente vite. Ok. Ouais, médecin niveau 2. Ok. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Un marchand itinérant est arrivé dans l'académie. Ouais, non, c'est plutôt pas mal, surtout qu'en fait, ce que je peux faire, gérer l'équipe. Delphine, tu vas te mettre au repos. Cassandra, tu vas prendre sa place. Hop. Ici, il nous faudrait un mage ou quelque chose. T'es censé être un mage, Malga, je crois. Bah, écoute, tu vas monter vite mage, du coup. Mais... on va gérer les étudiants. Delphine, t'es gentil, tu vas te déséquiper. Parce que l'épée royale, je vais en avoir besoin. Le reste, j'ai mieux sur Cassandra en vrai. Hop, elle est où Cassandra? Cassandra, elle est là. Équipement, grande épée, on l'enlève. On prend l'épée royale. Voilà, tac. Et on met l'autre épée. Hop là, ici. Voilà, c'était ma deuxième meilleure épée, hein, entre parenthèses. Donc voilà, bah écoutez, après le reste, on peut mettre des choses, mais bon, pour le moment, ça change pas grand chose. De toute façon, elle est au repos. Et du coup, bah, on peut partir comme ça. Hein. Ça pourrait être Zona aussi qui pourrait être la mage. Et bon, vu qu'elle est longue à monter, on va lui préférer un tout nouveau. Ça sera plus simple. Bref, moi je vous dis à la prochaine. J'ai de l'encodage, j'ai des choses à faire pour faire de la place sur mon disque dur avant que tout parte en vrille. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao ciao mes petits amis YouTube. Qu'est-ce qu'il y a toi? T'as acheté quelque chose? Bah oui, toujours les compos, toujours les compos. Je suis un bon client moi. Hop, tu m'achètes quelque chose? Recette de la lame vampire. Waouh, ça peut être intéressant ça pour quelqu'un en dext. 532, ouais, on va en acheter une. On va en acheter une, je vais... dès que possible. Allez, dégage, dégage. Est-ce que j'ai assez pour en crafter une? C'est pas une ferme que je veux. D'accord, si je clique pas au bon endroit.
Est-ce que j'ai assez pour m'en fabriquer une de lame vampire? Eh ouais, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Enfin, il me semble. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Ah, confirmé, 114 d'attaque. Ouais, c'est plutôt sympa, il me semble. Je sais même pas si j'ai aussi bien actuellement. Tac. Zona, 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 elle est là. Équipement. Ah oui, j'ai un X, d'accord. Donc bon. C'est intéressant, mais pas sur elle, quoi. Pas sur elle, pas sur elle. Ah oh, tiens, d'ailleurs, en passage. Hop là, agilité 2. Pas de pratique. Pour être sympa. Bon, allez, cette fois-ci, j'y vais. Bye bye.